Bonjour et bienvenue sur Avacei. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, nous vous présenterons notre top 3 des pires comportements à éviter absolument sur la route pour les piétons. Comportement numéro 1, les personnes qui traversent la route, les yeux rivés sur leur téléphone. On peut faire des choses incroyables avec un téléphone, mais attention! Quand vous êtes sur le point de traverser la route, il vaut mieux rester concentré sur la route, car l'accident peut arriver à n'importe quel moment. Tâchez de bien regarder avant de vous engager. Comportement numéro 2, les personnes qui traversent subitement la route ou qui s'engagent avant de regarder si la voie est libre. La logique voudrait que vous regardiez d'abord si la voie est libre avant de vous engager, avant de traverser la route. Pour comprendre le danger, il suffit d'imaginer qu'un automobiliste se trouve dans votre dos au moment où vous traversez subitement la route. C'est dangereux. Comportement numéro 3, les personnes qui crachent dans la rue sans d'abord regarder autour d'elles. Il faut dire les choses sans détour. Vous avez le droit de cracher dans la rue, mais pas sur une personne. Car à ce moment-là, ça devient très problématique et très dangereux. Le minimum voudrait que vous regardiez d'abord autour de vous avant de balancer votre salive pour éviter qu'elle atterrisse sur un homme ou une femme trop nerveux ou trop nerveuse qui pourrait facilement gâcher votre journée. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ce top 3 des pires comportements de piétons à éviter est très limité et peut-être que vous en avez déjà vu pire. Vos observations en commentaire peuvent aussi aider les autres à faire plus attention à leur conduite en tant que piéton. N'hésitez pas à partager cette vidéo et aussi à consulter notre site web pour vivre l'automobile en Côte d'Ivoire autrement. Rendez-vous très prochainement pour la deuxième partie de ce chapitre qui s'adressera cette fois-ci aux automobilistes. Merci encore de nous avoir suivis et portez-vous bien d'ici là. Au revoir.